As-tu déjà eu des rencarts avec des personnes différentes dans la même journée? T'es un menteur, toi. As-tu déjà reçu des nudes? Oui. Montre, si tu réponds pas, tu bois. As-tu déjà gagné de l'argent de façon illégale? Oh oui. Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vidéo exceptionnelle, d'accord? On va démêler le vrai du faux. J'ai acheté un détecteur de mensonges, d'accord? Si vous avez envie de vous en procurer un, c'est vraiment le meilleur jeu à faire avec vos potes. Bref, le Shocking Lia, ok? Donc la machine, elle est là. Donc je vous explique le concept. On va tout simplement poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Prends mon téléphone, wesh. Mais c'est bon, pas besoin. Si, ça me stresse, je l'oublie quand il part chez Sago. Mais il est sérieux, gros, putain, mais. Bon, donc c'est simple. Donc comme je l'ai dit, il y a le détecteur de mensonges qui est ici. On va poser des questions qui se trouvent ici. Si on ne répond pas à la question, il y a une potion magique, d'accord? Maintenant, vous allez voir la concoction, la préparation. Attends, mais gros, ça c'est du sucré? Ah, c'est du sirop d'érable, mec. Ah ouais, d'accord, sirop de fraise maintenant. Ouais, mais attends, on dirait des règles de femme. Et tu sais qu'à la fin, un chef, il donne toujours un nom à sa recette. Donc c'est quoi ton nom de ta recette? Le jus de bagarre. Arrête de lever chef ça. Chef Etchevest, d'accord, nous a préparé vraiment la boisson du diable, ok? Ah oui, non, non, je voulais présenter les invités. Lui ici présent, Maxime, vous le connaissez, moi vous me connaissez, et là, un nouveau challenger. Ouais, Adèle. Non, mais tu sais quoi, Adèle, t'es l'invité, c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne. Bah justement, c'est à lui de passer en dernier, boss. Non, je veux qu'Adèle y commence. Ah, Adèle, qu'est-ce que moi? Ah, bah on fait comme ça. Choisis la question. Je non, il y a des questions tranquilles en vrai. Il y a des questions hard, il y a des questions tranquilles, il y a un petit peu de tout, les gars. Vraiment, restez connectés jusqu'au bout parce qu'il y a des dingueries. As-tu déjà été en garde à vue? Non. Non, t'es un mytho, frère. Ça va bien. Attends, reste. J'ai un mixage. C'est la vérité. C'est de la jamais. Ok, Benny. Comment ça, non, tu tournes. Allez, à toi, j'ai déjà fait un chuchote. As-tu déjà eu de l'attirance pour une personne du même sexe que toi? Non. C'est quoi cette question, frère? Genre, t'as jamais kiffé sur le même gars que toi? Non. T'as dit c'est mytho. Ça a plus de mytho. Tu m'arrêtes de me regarder comme ça. Voilà, non, c'est bon, c'est faux. Oh, t'es de la chatte. Pourquoi c'est moi? Attends, c'est moi qui ai eu la question de merde. Plaisir. Par contre, mets la. Eh les gars, oubliez pas, si vous voulez pas répondre à la question, vous retirez votre main et vous avez le droit à cette petite. Bouillabaisse. Vas-y. As-tu déjà trompé ta meuf, mec ou ex? Non, jamais. Aucune? Non. Moi, je te jure. Arrête. C'est si attends, que je vais voir, je me suis peut-être. Ah non, il était putain, il était sur l'eau. Ah ouais, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'était fait. Ouais. Non, ouais, mais t'as menti quand même. Mais t'as menti. Non, j'ai pas menti. Bah si, t'as trompé qui? Bah c'est de la merde, mon truc. Non, gros, t'as trompé. T'as trompé, mec. T'as trompé, gros. As-tu déjà profité de ta notoriété pour obtenir un date ou une fellation? Il y avait pas le mot fellation, non, c'est moqué. Non, oui. Ah, c'est pas un peu de chien en plus. Bah si, c'était vrai. Ah ouais? Bah oui, une fois, ouais. Qui l'a jamais fait, gros? Bah ouais, mais en fait, oui. Bah tu sais quoi? Ah oui, parce que quand c'est oui, faut expliquer, faut raconter. La fille, au début, savait pas que j'étais influenceur, après elle l'a su. Ok, bah c'est pas grave. Mais genre, j'ai pas dit, écoute, moi je suis ça, du coup, il se passe ça, tu vois. Putain, lui, il a eu un coup de jus lourd, quoi. Par contre, moi, j'ai pris un gros coup de jus, hein, en vrai. As-tu déjà été au courant d'une tromperie sans rien dire? Oui. Le mec, avec tellement. Avec trop d'assurance. Non, mais il a dit ça avec fierté. T'as pris un coup de chien, j'étais pas prêt. Avec sa main, gros. Mais ça va pas, il a pas menti. Bah ouais, ouais, mais bon, voilà. Si, bah, des coups de chien. Apparemment, ouais, bah, alors, en fait, quand tu je sais pas, c'est peut-être Benny qui t'excite. Ils auraient peut-être dû te poser la question, est-ce que t'as déjà eu été attiré par un homme du même. Enfin, un homme, quoi. Non, j'aime pas les tatouages. Ah, par contre, c'est un autre homme. Ça veut dire que si moi ou. Non, voilà. N'abuse pas non plus des bonnes choses de la vie. Dis, tu t'es déjà battu? Ouais, à l'école. T'as gagné? Oh putain, ça surprend de ouf! Ça fait pas mal, mais ça surprend, je m'attendais pas! J'étais concentré à rien, j'ai. As-tu déjà pêché une personne connue? Non, je suis venu. Non. Tu vois, ça va, hein? Ça va! Ça va, mais ça surprend, c'est marrant! As-tu déjà vomi sur quelqu'un? Ouais. Ouais. Qui? Okay. J'étais à une soirée, c'était les 18 ans d'une pote. J'ai déjà vomi, frère. Vomis, comment elle a regardé tout? Ouais, j'ai déjà vomi, ta gueule. Et je sais pas, j'avais trop bu, puis j'ai vomi par terre et on a eu un peu vite fait, tu vois. Mais ça va, j'ai pas gerbé de ouf. Tu l'as embrassé après? C'était pas ma meuf. Pas grave, mais alors. Non, mais j'ai gerbé surtout par terre, mais à peine, tu vois. As-tu déjà gagné de l'argent de façon illégale? Oh oui. Refais le oui, les gars, ferme les yeux. Ferme les yeux et redis-le. Oh oui. Il invente des pochons. Non, c'était pas des pochons. Mais j'ai l'impression que quand tu réponds oui, t'es niqué. Ouais, ouf. Moi, je vais répondre non à tout. Non, c'était pas des pochons, c'était des sacoches. Des sacoches? Ouais, avec des pochons. Que j'avais pas acheté. Des sacoches Louis Vuitton? Non, des fausses. Des fausses. Ouais. As-tu déjà DM quelqu'un de connu? Ouais. Je vais prendre un coup de jus, j'ai dit oui. Qui? Silent Hill, déjà. Putain, fils de pute! Ça surprend trop, enculé. Mais j'ai pas menti! J'ai pas menti!
Allez, go. As-tu déjà eu des rencarts avec des personnes différentes dans, dans la même journée? Non. T'es un menteur, toi. Il a diminué. Non, ah, t'as trompé ta go et puis après, tu crois que tu dis la vérité. Oh, putain, j'ai eu peur. Mais lui, il a bougé. Il... As-tu déjà crush sur ta prof? Ouais. Salle d'anglais? Non, prof d'éco. Oh putain! Ah, wow! T'as vu? Ouais, là j'ai payé trop cher. C'est que toi t'as eu mal en deux fois. Ouais. As-tu déjà mangé un truc tombé par terre? Mais c'est. Ouais, je répondrai pas à cette merde. Ouais, tu sais pas, bâtard. T'as la pression ou pas? Non, gros. Non, mais là je bois mon propre jus de bagarre. Ah! J'ai envie de gerber juste en regardant, gros. C'est dégueulasse. Alors? T'as pas d'âme, frère. Non, j'ai pas de cœur, mais... As-tu déjà fait un placement de produit d'une marque ou d'un truc que tu que t'aimais pas? Ah, ça, c'est intéressant. Non. Attends, j'ai fait... Si. T'as pris, c'était quoi? Ah, là, t'as dit la vérité. Je l'ai fait. As-tu déjà parlé à plusieurs filles en même temps? Oui. Mais à l'ancienne, plus maintenant. C'est un moteur. As-tu déjà utilisé une application de rencontre? Oui. Il y a pas longtemps. C'est même. Tout. Elle est plus connue. Attends, d'un match. T'as diminué, en fait. Connard. Non. As-tu déjà flirté avec une personnalité publique? Oui. Il faut un nom là. Il faut un blaze. Putain. Il faut un blaze. Je cracherai pas, mais c'est déjà arrivé une fois. Ouais. Est-ce que t'as déjà envoyé des nudes? Ouais. En vrai? Ouais. Il y a même pas longtemps. Là, t'as bite ou ton cul? Ma bite. Mais je l'ai fait qu'une fois, c'est la première fois. Génial. Bah en fait, moi j'aime pas faire ça, mais c'est ma go actuelle, elle aime bien ça. Elle m'a dit, bah tu sais, m'en envoyer une. Ma go okay. actuelle, mais ça c'est un petit long, gros. As-tu déjà pris une drogue dure? Non. Salut, il fallait poser cette question. Ah! Fils de pute! Non, j'ai jamais touché la drogue. Tu vois, là, non, on voit qu'on est cardiaque, lui et moi. Nous, on supporte pas. Bon, c'est pas une histoire de cardiaque. Vous, ça vous fait ça, on dirait, on vous caresse. As-tu déjà reçu des nudes? Oui. Et bah, oui. Montre, si tu réponds pas, tu bois. Généralement, Après, l'armée, j'aime bien, c'est un bah bonhomme. Ouais, parce hein. que je suis, voilà, mais. Ah, ouais, j'ai pris trop cher. Ouais, bah oui, logique, non mais. Moi, j'aime pas en fait l'électricité. Ouais. À partir du moment où t'as fait une mini relation avec une meuf, t'as reçu et t'as envoyé des nudes. M'as-tu déjà menti? À toi? Ouais. Possible. Ce serait triste avant ce qu'on a dit. Ah, ah, ah. Bah, il m'a dit non. As-tu déjà pécho le, la crush, ou un ex de un de tes potes? Ouh, non. Intéressant. Non. T'es un menteur. Non. Même si ton pote, il dit oui. Oh, la vérité. Ah, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais si ça, oui. Non, mais même ça, je pourrais pas. C'est pour moi, c'est, je pourrais pas, moi, ça. Ouais, je mais peux pas. Non, mais moi, c'est Benny, il a triché. Non, j'ai pas triché. Non, c'est toi qui as bougé. Non, je vois pas ça. T'es trop tard, t'as triché. Tout le monde a bu. Ton médecin m'a dit je pouvais. Ton médecin m'a prescrit l'ordonnance. T'as triché, gros. Vous en avez fait autant. En fait, c'est de la sauce pour tomate. Ouais, bah voilà. Putain, juste de voir, ça me dégoûte, moi. Je peux pas. Après, je t'ai dit la composition. Non, mais dégage, par contre. T'as trempé ton gland. Franchement, quand tu triches comme ça, normalement, c'est tu lèches le truc. Je t'en mets sur le truc. Ah, c'est ignoble. Même la consistance de mon sperme est moins dégueu. Il aime quand il aime se faire prendre cul sec, donc ça va. Ah, moi je m'en fous, je répondrai à tout le temps tant que je bois pas ça. Ça fait le même effet qu'un verre de vodka. C'est mieux de se prendre un coup de jus ou alors de boire ça? Ah bah du coup mon tour est passé. Non 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 non. Ah bah non, t'as triché. Mais t'as pas répondu à la question. La tricherie, ce n'est pas pardonné. As-tu déjà têché quelqu'un par texto? Ouais. En vrai? Ouais. T'as vraiment pas de cœur. Ouais, oui, j'avoue, tu penses que les femmes c'est des objets. Franchement, t'as pas eu les couilles de le faire en face. C'est lui qui dit ça. Frère, c'est l'hôpital qui se fout de la morgue. Est-ce que t'as déjà volé quelque chose? Ouais, tu sais quoi, je réponds pas. Et la réponse est oui. Ouais, je vais tester. Non, mais pourquoi tu réponds pas? Bah si, j'ai répondu, j'ai dit oui. Mais pourquoi t'as pas laissé ta main? Je veux voir ce que ça donne, tu vois, je suis un mec couillu. Quoi? Ah. t'as des couilles. Je sens que ce soir il va gerber, gros. As-tu déjà fait un blackout? Oh non. Non? Ah non, mais tu vois pas d'alcool, ça. Bah ouais. Bon bah voilà les gars, la vidéo elle est terminée, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Franchement, si vous avez envie de vous le procurer, lien dans la description, ok, je l'ai acheté sur Amazon, voilà, vous allez le recevoir en 2-3 jours. Pour les fêtes de famille, pour les fêtes de Noël, ça peut être cool. Bref, c'était Tonio les gars, petit pouce bleu, abonnement, vous connaissez, il y a du lourd les gars, l'équipe elle est réunie ici. C'est la, je sais pas comment on appelle la house, la Tonio house, ça fait trop personnel. Ouais, tu veux pas conçu. La Keim house. Bon bah voilà, bref, bisous les gars, c'était la Keim house. Il a agressé. Time.